I don't know, you play professional, non, non. Maintenant, on peut pas juste sauter d'une falaise, je comprends pas. La Thaïlande, clairement, c'est pas ouf pour le kick jumping. Send it. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va cliffer sur une île qui s'appelle Hong Island. C'est une île vraiment trop stylée qu'on a vue sur Google Maps. Il y a un espèce de lagon qu'on va aller explorer. On a chopé un petit bateau. Et en fait, le mec, il va rester avec nous toute la journée. Il va nous emmener tout autour de l'île. On va pouvoir tourner autour des falaises, faire le repérage pour les sauts. Ça va être beaucoup plus facile que de tout faire à la nage. Bah, je crois que le mec qu'on a payé, là, il comprend pas grand-chose, en fait. Il a dit on veut faire un tour de l'île en bateau. Et en fait, là, il vient de venir à la plage mettre son ancre. Il nous a donné des masques et tout. En fait, je crois qu'il est pas très très au clair sur nos intentions. Et comme bon, il parle pas très bien anglais, on n'arrive pas à communiquer. On a peut-être trouvé un cliff là, d'un petit rocher. Pour commencer, ça va être bien. Il n'y a pas grand chose, je pense, il y a 9-10 mètres. Mais ça peut être cool déjà. Let's go! Oh! Oh! Wow! Oh, j'ai tellement flippé, il y a un varan juste à côté de moi. What? Il est juste là, là. Oh, c'est chaud. Oh, il m'a fait tellement peur, je crois que ça peut pas trop faire de mal. Je crois que ça peut mordre. Bah, je pense que c'est sur le coup de la surprise, quoi. Genre, mais ça, je pense passer les piles que t'as fait, c'est ce qu'il fallait pour se faire mordre. Genre, faut passer les preuves, tu lui fais un coup de panique, ouais. T'as failli lui marcher dessus, il te chie, quoi. Bon, par contre, il est vraiment pile sur le chemin où on veut aller, quoi. Bah, il nous montre le chemin. Ouais, il nous montre le chemin, on va le suivre. Ça, il a pas l'air très rapide. Oh, c'est stylé. Oh, plus que ça, gros. Plus que ça? Bah oui. Ça fait plaisir, là. En fait, on a été très, très sceptiques par rapport à l'avancée du projet d'aujourd'hui. Quand le mec du bateau, il nous a dit « Non, mais moi, je vous accompagne nulle part. » Premier cliff, on peut pas le faire, clairement. Il y a un mec qui pète un câble. Je sais pas pourquoi. On va redescendre, on va voir avec lui sur la plage. Liste. It's for dangerous. I don't know, you play professional or not. But it's here. Yeah. We want to save everyone. La gueule que je dois avoir. Bon, là, on commence à se faire siffler par les mecs de l'île et je crois qu'ils veulent pas qu'on monte sur le rocher. On peut même pas cliff. La semaine dernière, on pouvait pas bouger dans un parc. Maintenant, on peut pas juste sauter d'une falaise. Je comprends pas. Oh, weekend? No. Why? No. Vas-y, bah on bouge de spot, hein. On espère qu'ils vont pas nous suivre toute la journée. Il y a des touristes qui nous ont dit qu'il y avait des grosses toiles d'araignées qui étaient tendues et qu'on pouvait se les prendre dans le visage. Pas super agréable. C'est quoi ça? Ouais, t'as les fat. Il n'y avait pas de touristes, on était foutus. Ouais. Non, je vous jure, je sais pas si c'est une vraie ou une fausse, mais c'est... En fait, ils ont mis un piège. C'est pas évident qu'elle soit là. Pour les touristes, ils ont mis un piège. Non, mais elle est beaucoup trop vraie pour qu'elle soit fausse. On vous laisse passer avec Jérémy. Oh my god! À tout moment! Oh là 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 là! Quel enfer! Ah non, il nous faut des cliffs, ça c'est pas mal. Jure, il y a un problème là. Je vous jure que l'araignée là, c'est une attraction. J'en suis sûr, il n'y a pas d'araignée qui. Non, c'est ça le même. Je jure, les gens ils passent, ils voient l'araignée, ils sont. Ah man, il déserte! C'est lui là, le truc qui est un peu. Oh! Gros podcast là! Gros dead back! Oh, oh. Ouais. Allez, vas-y, Jérémy! Mais tu peux pas! Il faut pas de contenu! Je laisse ma fierté de côté! Donc c'est ce qu'on appelle un body parfait. On se met à chier. Mais comment on l'a sorti?
Ah là, il appelle les fonds. Je comprends très bien le thaïlandais. En fait, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de spot, de falaise. Donc on va essayer de lui demander d'aller sur une autre île. Je sais pas trop si c'est possible parce que il n'a pas l'air de comprendre déjà ce qu'on dit. On comprend pas trop ce qu'il dit non plus. Donc, déjà c'est compliqué. Okay, can we go on another island? Langkawi, to Hong Island, to Hong Kong, to Phoenix, na. What? Do you know another spot where the water is deeper? Water? No, not. No water. Yes, no. Il y a pas d'eau maintenant. Il y a plus d'eau. Can we go around? Around the island. The island. Yes, to Kuala to have problem. Okay, let's go. Bon, quel est le plan? Le plan, c'est d'aller se baigner, faire semblant qu'on est des touristes un peu lambda et de barboter tranquillement. Et à un moment, quand il y a un timing, de partir de l'autre côté de la falaise parce qu'on a repéré des cliffs. Bon, le problème, c'est qu'il y a les mecs qui nous ont engueulés tout à l'heure avec leur sifflet là. Et bah, ils sont encore là, du coup, à tout moment, ils nous spotent. Ils nous déjà spot en fait, je crois. Oui. Est-ce que la Thaïlande, c'est vraiment le paradis du cliff jumping? Pas sûr. Allez, nous on lâche rien. On veut cliffer. On veut faire des cliffs aujourd'hui. Donc on s'acharne. Le mec qui est sur la plage, il a appelé ses potes. Et du coup là il y a un bateau de mecs de garde-côte ou je sais pas trop quoi. Qui s'y viennent, genre à la limite de la zone de baignade. Ils vont pas nous laisser faire en fait. Et nous on fait quoi? On est à la nage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut rien faire. Ils sont là. Ils sont juste là. Oh. What? Area for swimming. Oh. Done our area. Ok. Oh. Ok. Ça oui. C'est pour la sécurité en fait. J'avais pas capté. Clairement, on a un cliff juste là. On peut pas le faire. On a trouvé un cliff. On a galéré à le trouver. On peut pas le faire. On essaye tout, mais c'est impossible en fait. Bon, ça y est, on a temporisé un peu. Le bateau est parti. Normalement, personne nous a vu partir de la plage. Du coup, on va pouvoir aller chercher des cliffs. Et là, on voit un petit rocher qui pourrait potentiellement être un spot. On va voir si on peut grimper. Premier cliff de la journée, il n'y a pas trop de fond. Mais bon, à mon avis, ça va souvent être le cas. Du coup, il va falloir quand même faire avec. On sait à peu près comment atterrir dans l'eau quand il n'y a pas trop de fond. On est assez expérimenté sur le sujet, ça va le faire. Mais par contre, essayez pas trop de reproduire s'il n'y a pas de fond, c'est quand même dangereux. De toute façon, on le rappelle, il y a plusieurs règles de base dans le cliff diving. Faire une coulée, jamais sauter seul. Et puis faire les choses crescendo, faire des petites hauteurs avant de se lancer sur des grosses. Ça paraît logique, mais c'est bien de s'en rappeler. Yes. J'espère qu'on va pas recroiser un varan, ça m'a fait trop flipper. Yes. Ici il y a genre plein de pierres qui bougent et c'est fou, genre quand elles bougent, on dirait que c'est un truc, un bruit métallique quoi. Oh, en plus elle est énorme. On vient d'arriver sur le haut du saut et il va falloir vraiment penser au fait qu'il n'y a pas énormément de fond. Du coup atterrir genre en cuillère quoi. Dès qu'on arrive dans l'eau, bam, on s'assoit dans l'eau. Et comme ça, on plonge pas du tout profond. Moi, personnellement, je pense que je vais opter pour l'option death dive. C'est-à-dire me mettre comme si j'allais faire un plat. Et au dernier moment, je vais replier mon corps. Et comme ça, il y aura un impact. Enfin, ça va être beaucoup plus concentré que c'était mes pieds. Et du coup, je vais aller beaucoup moins profond. Ouais. Tu me passeras ça après, Mehdi. Vas-y. 3, 2, 1, let's go. Oh, là, là.
Il est incroyable. Léo, il a envie de faire double lay. Mais il l'a fait qu'une fois et du coup ça fait quand même bien peur. Du coup il va faire plein de crêpes pour se mettre en confiance et après pouvoir le lancer. Mais du coup il va jouer un peu avec les hauteurs aussi. Il va pas commencer directement au saut le plus haut. Léo pour arriver au spot, faut passer dans une crevasse de du caillou, c'est vraiment trop stylé. Let's go! Let's go! C'est un cliff en Thaïlande les gars! Franchement c'est l'enfer du cliff ici. On peut pas cliffer et là, franchement c'est une des premières fois qu'on trouve un spot et personne ne nous fait. Pourtant il y a la plage juste là. C'est trop bizarre. Bon ça y est, la session se termine. On rentre tranquillement à la plage. On a repéré d'autres spots de cliff un peu plus loin vers la falaise là-bas. Mais je pense qu'on reviendra demain et on louera des canoës. Et ce sera la vidéo de dimanche prochain du coup. Est-ce qu'il y a des singes avec des lunettes comme ça? Et là il y en a sur le toit là ou dans l'arbre. Venez. On va essayer de grimper l'arbre pour aller les voir. Enfin, un petit bonjour. Oh non, 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 non. Mais non. Oui. No way. Il y en a un qui est déjà intrigué par ma présence, je vais le voir de plus près. Oh, ouais. Ouais, les drops qu'ils sont capables de prendre, c'est nimp. Oh. Bon bah ils sont vite partis, dommage. Là, la session qu'il fallait terminer, c'est régalé franchement toute la journée là, de l'eau turquoise, des falaises, des saltos, des potes, tout ça, ça régale. Là, petit sunset, ça va partir en session accro. Du coup, je vais faire un scoot dub, c'est vraiment juste parce que je peux pas faire de scoot full. Sinon, il y a peut-être une chance que je parte en dub sans faire exprès. Il va essayer de entièrement me passer par dessus en sautant. Ah, je sais pas si je vais réussir. Oh, c'est chaud. Impressionnant. Ça fait n'importe quoi en vrai. Il y en a, ils ont les pieds carrés. Mais je peux pas jouer avec des gens comme ça, c'est n'importe quoi. En fait, on est mauvais. Du coup, bah, on va faire un petit edit pour faire semblant qu'on fait au moins 10 passes. Parce que là, ça tourne autour de 3. Il est trop trop fort. C'est incroyable. On est quoi? On est en février là. On a raté l'hiver mon gars. Ça c'est un truc de ouf. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le petit retour des vidéos de cliff. Dimanche prochain il y aura aussi une vidéo de cliff. Parce que demain on va retourner au spot. Allez, on se donne rendez-vous dimanche prochain du coup pour cette nouvelle vidéo. Ciao, ciao.